Poupinette, j'ai oublié à quel point j'allais en souffrir aujourd'hui. Parce que si vous vous rappelez de ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai enlevé le HUD, si je peux. Merci, le streamer bot. Ouais, merci. On était bloqué. On n'a pas assez d'argent, je crois, pour acheter des trucs, ou faut changer de deck. Et sauf que j'aime bien le deck plante. Voilà, on était au début de ces cavernes, ce qui est pas très très simple. On n'a plus de thunes, donc on faisait les challenges. Et je pense qu'on va essayer de faire ça pendant tout le début du stream, et essayer de recommencer avec peut-être un autre deck, parce que là en fait il nous faut... voilà, il nous faut un autre deck pour pouvoir ensuite y arriver, j'ai envie de dire. Donc on va faire le Burning Puzzle. Bon, c'est pas très simple non plus, hein, les challenges de Vera. Elle s'appelle Vera, je crois. Non, c'est Vera, c'est notre commandant. Donc, ah oui, mince, il faut que je déplace la caméra. Donc je vous rappelle que Floppy Knight, ce jeu se fonctionne uniquement sur... on a un jeu de stratégie avec des cartes randomisées. Mais c'est une sorte de... ouais, c'est ça, c'est une sorte de petit deck Pokémon. Ou deck Magic, comme vous voulez. Et ça crée des petites... des petites créatures. Donc là, on est en deck plante. Donc du coup, notre commandant est une Aloe Vera, qui s'appelle Vera. Delphia, tu vas pouvoir comprendre après comment ça se joue, je pense, parce que là c'est difficile à expliquer en vrai. Et après on se déplace sur le terrain, donc c'est plus ou moins du tour par tour, parce qu'en fait ça dépend du déplacement, etc. C'est en tour par tour, parce qu'il y a un tour, je suis-je bête. Voilà, et là on est dans un système de challenge, donc du coup l'idée c'est qu'il faut réussir à battre par exemple Big Mad, qui est le commandant en fait des ennemis, des monstres. Qu'on l'a en deck nous aussi, sauf que j'ai jamais utilisé le deck monstre, et j'ai un deck aussi punk, je crois, que j'ai pas encore utilisé, donc on verra. Voilà. On a un deck qui commence toujours avec un commandant. Donc là c'est Captain Tussle, qui nous permet de déplacer à chaque tour une unité et à rajouter une vitesse, enfin de la vitesse à la personne qui l'a utilisé. Le déplacement, bien entendu. On a un point de vie, 4 de défense, 3 de déplacement et 1 de, je crois, de touche. Donc c'est si je peux toucher proche de moi. Donc là, par exemple, j'ai obligatoirement une attaque dès le début. Donc je peux attaquer comme ça. Ou je peux me déplacer en utilisant une carte. Par exemple, la carte de, justement, Captain Soso. Et l'idée, c'est de pouvoir battre ces petites bestioles qui, elles, sont des archers. Qui ont 1 de vie, 2 d'attaque, 4 de déplacement et 2 de range, donc 2 attaques à distance. On a aussi donc notre succulent Kicker, que j'ai présenté la dernière fois d'ailleurs, parce que on m'a offert une succulente, donc plante grasse. Plutôt joli, que j'ai dessiné bien entendu comme ce succulent là. Et on a la possibilité d'augmenter des cartes avec ces cartes là qui s'appellent Grow, qui permet d'augmenter une carte plante et ensuite de détruire cette carte là. Et là c'est gratuit, donc tout ce qui est 0 c'est gratuit. Là c'est ce qu'on doit payer, c'est 1 énergie qui est juste en dessous de moi, qu'on voit pas des masses d'ailleurs. Je vais peut-être redéplacer la caméra. Je vais mettre comme ça, voilà. Donc là, l'idée, c'est de réussir à bien gérer pour pouvoir savoir qui nous permettra de taper à ces archers. Donc là, par exemple, si j'augmente avec cette carte-là, ça me permet d'avoir une attaque en plus, enfin d'avoir un point d'attaque en plus pour le tour, et ça me permet de me déplacer de un carré, vu que le terrain est des carrés. En plus, donc, par exemple, si je fais ça.
Voilà. Avant, je pouvais avancer que de 2, de 3 plutôt. 1, 2, 3. Maintenant, je peux déplacer jusqu'à 4. Chose que je n'ai pas envie parce que, je rappelle, c'est des tueurs à distance. Donc là, peut-être ici, on les remarque. Ouais, on va faire ça. Hein. Normalement, je me fais pas toucher. Exact. Voilà. Et du coup, si on augmente nos kickers, ils ont plus de vie. On va utiliser ça aussi. Je veux détruire une carte. Bah, du coup, je vais détruire ça. Attaque un ennemi. Move unit. Ah bon, voilà. Voilà. Et donc, le kicker a plus de choses. Ça lui permet aussi de se déplacer plus facilement. On va le faire se déplacer. Et on va each another unit. Alors là, c'est le crop rotation qui, du coup, nous permet de se déplacer, de se déplacer en plus de quelque chose. Ah oui, c'est je me déplace moi en tant que personne, en tant que personnage préféré. Donc là, par exemple, le seul endroit où on pourrait passer, c'est là, sauf qu'on va perdre 2 points de vie. Donc là, par exemple, il faudrait que je puisse me poser ici. Donc si je fais ça, je me place ici. Sachant que là, on voit les cratères, ça veut dire que le volcan va nous défoncer d'ici un tour. Hein. Je vais me déposer ici. Et après, je peux me redéplacer normalement, je crois. Je peux déplacer quelqu'un d'autre, non? C'est pas ça? C'est pas ça que j'ai compris? D'accord, très bien. Eh bien, on a fini le tour. Je pensais que le truc n'allait pas tomber directement quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas joué dans le monde du volcan, mais là c'est du foutage de gueule un peu. Alors, on recommence. La DA et Mimi, bah ça ressemble beaucoup, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, ça ressemble énormément à Dicey Dungeons dans le style, parce que Dicey c'était le même système de jeu entre guillemets qui était un peu de réflexion sur le lancer de dés, etc. Là c'est un peu la réflexion sur le tactical stratégie, je sais pas quoi là, TRPG peut-être. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on appelle. Comme dans XCOM, enfin ça ressemble beaucoup au déplacement dans XCOM, dans Adventure War que j'avais parlé aussi, que je pourrais vous montrer. J'ai joué aussi à Fire Emblem pour pouvoir me rappeler de quelles sont les strates que j'oublie de temps en temps. Voilà, et donc c'est des jeux, oui, j'avoue que je joue à des jeux qui sont 7 ans et plus, j'avoue. Mais parce que c'est mignon, hein, il faut tout de suite expliquer les choses. Le dessin est magnifique. Marre de voir des vieux mecs avec des barbes. Ouh là là, je crois qu'ici c'est pas bon. Non, c'est bon. Des vieux mecs avec des barbes faire semblant d'être des papas. Salut Coctopus. Avec des flingues, je précise. Mais attendez, il explose de l'intérieur ou qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas vu. Salut Coctopus, j'espère que tu vas bien. Donc. Ah mais c'est parce qu'il a qu'un point de vie, c'est ça l'histoire? Il faut que je lui augmente sa vie, lui. Mais je comprends pas en fait. Il meurt de quoi là? Il meurt d'arrêt cardiaque? Qu'est-ce qui se passe? Là, il se fait pas toucher, il se fait pas toucher. Nous, on était ici, pourquoi il se ferait toucher? Bon, on va faire genre, on se met là. Je veux voir absolument ce qui se passe. Je n'ai pas compris. On recommence. Je regarde attentivement maintenant. Voilà! What? 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 Qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il perd une vie? Attendez, je vais lire attentivement ce qu'ils nous disent. Il a un point de vie, d'accord. Mais si je le laisse là, il fait quoi? Il meurt aussi? Il est empoisonné?
Ah, il l'a empoisonné dès le départ? Il s'est passé quoi? Comment je fais pour augmenter du coup sa vie? Ah ouais, faut que je sacrifie, faut que j'ai une vie. Comment tu veux que je récupère de la... Comment tu veux que je sauvegarde mon... Je vois pas, j'ai un peu du mal à comprendre. Le gars est empoisonné. Comment je récupère de la vie là? Au premier tour. Y a rien qui est proposé. Bon, die, de toute façon, là on n'a aucune idée de comment faire. En plus, le truc, c'est pas de battre Big Mad en un tour. Comment tu veux que je fasse ça? Faudrait que je me déplace jusqu'à là-bas? Avec lui? Attendez, on peut pas spawner ailleurs. En un tour? Ah, je sais ce qu'il faut faire, ok. Faut se cacher dans les... Non, mais même en étant empoisonné, je suis dans le caca, en fait. Faut que j'apprenne à savoir lequel est à casser. C'est celui-là? Non. Ça me sert strictement à rien. En un tour? Comment tu veux que je fasse? Alors, avec les succulents, ils se déplacent en tout cas. Clairement, je pourrais aller jusqu'à là-bas. Je pense. Mais comment tu veux que je le batte? En un seul tour? Mais ça, c'est une autre question. Hein. Tout en étant empoisonné par lui, hein. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Je comprends pas. Je ne comprends pas ce challenge. Ouais, on va essayer un autre, hein, parce que je... Parce qu'à la limite, tu vois, je me dis... Peut-être que j'ai pas débloqué des cartes et que c'est à cause de ça que je peux pas faire ce challenge. Mais ça me paraît étrange quand même. Hein. Oh, les behemoths, c'est vraiment l'enfer. Les behemoths, ils font partie du deck monstre et c'est des insectes volants comme vous pouvez voir. Ah, donc faut que je tienne 2 tours sur la corde, ok. Et faut que je gagne en 12 tours. Ah, il y a Vera. Vera est notre amie. Ah, je peux faire... Ah, c'est intéressant. Draw de carme. On va augmenter ça. Du coup, si je fais ça... En fait, je pourrais avancer... Jusque-là. On va essayer. Je veux juste voir si on peut y arriver. Sur le bouton. Appuyer. Comment qu'on utilise? Comment on l'utilise? Retourne. Je l'utilise comment la carte là? À part en cliquant sur la personne qui est là. J'ai du mal à saisir. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Il bug ou quoi? Oh là 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 là. J'ai un truc de rattrapage. Je comprends pas ce qui se passe. Je tiens à préciser parce que c'est potentiellement un truc. Qui pourrait arriver si tu craques le jeu, c'est-à-dire que le jeu t'en veut d'avoir craqué le jeu. Je n'ai pas craqué ce jeu. Donc du coup, je ne comprends pas. Mais en fait, ça me c'est. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Je vais. Ouais, je vais le taper avec ça. Et voilà, voilà. On va passer par là. Hein. C'est pas grave si on perd 2 points de vie. Faudrait peut-être que j'augmente de... Alors, on va faire ça. Ouais, pour abandonner ça. Il me faut de la vie, voilà. Merci. Bon, boomer, on s'en fout. Faut qu'on traverse. Voilà. Est-ce que je peux me déplacer encore? Non.
Ah, c'était ça, c'était... Pardon, excusez-moi, c'était... C'est possible qu'il y ait eu un bug de manette. La manette est tombée. Je pense qu'elle prenait elle prenait les coups autant que moi dans le jeu. Lol. Alors du coup, j'ai pas compris. Il m'a donné 3 de coups. Je sais plus combien ils font les behemoths, mais... Le problème des behemoths, c'est que ça se déplace beaucoup, quoi. On va se déplacer de façon à ce qu'ils puissent ne pas nous toucher. Donc toi, tu vas te déplacer jusqu'où? Jusque là. Bah nous, si on reste là, normalement, c'est bon. On va se déplacer de 1. Voilà, bam. Ouais, tout va bien, c'est juste la manette qui tremblait d'elle-même et je l'entendais pas à cause du casque. Et en fait, j'ai entendu un bruit, je croyais que c'était externe. Et en fait, c'est tombé de son piédestal. Eh bien, reviens quand tu peux. Est-ce qu'on peut le toucher? Non. Nique. Nique-moi. C'est gratuit, ça paye pas de mine. Voilà. Combien tu tapes, toi? Ah oui, 4 quand même. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais tu mourras avant. Voilà. Et on va appeler Spitfuna. Il a tué qui, bon boomer? Ça se pointe à une vitesse aussi, leur truc. Non, le prochain à mourir, c'est toi. Hein. J'ai pas envie de te faire peur, hein, bon boomer, mais tu meurs. Hein. Là, c'est pareil. Pourquoi tu bugs? On va relancer le jeu, ça bug de ouf là. Il se passe quoi? Il y a une mise à jour que j'ai pas faite ou quoi? Bon, attendez, je vais quitter le jeu. Je vais checker. Il y a peut-être une mise à jour qui manque. Je ne comprends pas. Je remets le HUD. Voilà, nous revenons à notre place. J'ai pourtant lancé hier, justement, pour vérifier s'il n'y avait pas de mise à jour. Peut-être qu'il y en a une aujourd'hui, mais là, c'est 2 fois où les challenges, ils commencent à faire des trucs un peu spé. Ma bibliothèque. Afficher les détails. Il me dit vérifier la configuration minimale requise. Bah ouais, mais ça marche. Hein. Voir plus. Je comprends pas. Il se passe quoi dans ce jeu? Je relance. Est-ce que ça va fonctionner? Sinon, j'ai un truc de rattrapage. Hein. Ne vous inquiétez pas.
Mais ça m'embête, parce que ça veut dire juste très, très simplement que est-ce qu'on pourra finir le jeu, quoi. Parce que là, il est en version 1.1, je crois, un truc en style. Est-ce qu'il a été mis à jour un peu plus? Je ne sais pas. Je sais plus où on le voit. Voilà, 1.1.10, c'est derrière ma tête. Bon, on va réessayer. Je veux juste voir pourquoi ça. Excusez-moi, mais je vais m'obstiner sur ce challenge. Je ne comprends pas comment on pourrait faire autrement. Sachant que on n'a pas de vie, quoi, on n'a pas Vera. Donc là, on n'a vraiment pas de vie. Et si je le mets ici, on n'a que ça en carte. Donc du coup, qu'est-ce qui pourrait aider? À part en augmentant ces deux-là, en les mettant en plus. Mais ça me permet rien en fait. Toujours pas. Parce que ça me permet d'avoir un moyen de bouger plus, mais sinon. Comment tu veux que je sorte de de ce truc-là? Comment c'est possible que je fasse ça? Parce qu'on a déjà testé le coup de. On se cache dans les forêts. Pour voir si la défense jouera sur le poison. Mais je suis même pas sûr. Bon, je me cache là, hein. Je comprends pas. Ça devient très. Pourquoi ce jeu est devenu très dur d'un coup? Je ne sais pas. On va arrêter les trucs, hein. Je comprends pas. Voilà, on va essayer juste les premiers niveaux pour voir si on peut gagner de la thune, mais ça me paraît très 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 étrange quand même. Il était bien ce monde, j'avais bien aimé. To win this challenge. Tu dois capturer le drapeau. Et ensuite retourner au point. Ah ouais, faut ramener le drapeau carrément. Ah, j'ai Big Mad, je vais pouvoir enfin jouer avec Big Mad. Alors voyons voir ce que ça donne. Et je suis empoisonné à 1? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À chaque fois qu'une unité prend des dommages, gagne un point d'énergie. D'accord, mais faudrait que j'augmente Big Mad en fait. Je peux déplacer Big Mad de 2. Enfin, c'est l'attaque de Big Mad. Je augmente mon déplacement. Et je peux que aller droit. Ok. Donc du coup, là, par exemple, je pourrais aller jusqu'à lui. Il va faire ça. Mais tu vas perdre de la vie, on sait, hein. Il meurt. Je l'annonce, il meurt. Il me stresse. Ça sert à rien de taper, hein. Il est mort. Il est mort. Je comprends pas. Pourquoi on arrive avec ça? J'avais pas envie de lancer la série de l'été maintenant, hein. S'il vous plaît, merci. Bon, bien sûr, follow, hein. Follower cette chaîne, hein, tout se passe bien, bien sûr. On n'est pas du tout dans le cheap stream. Ok, donc pour gagner, il faut battre ses ennemis et y a le brouillard bagarre. Ok. Et on arrive au milieu. Super. Et on a nos vies, mais on perd de la. On est encore empoisonné. On va
va direct vers lui. Hein. Je suis désolé, mais on n'est pas là pour rigoler. C'est bon? Là, bon, là on a 10 points de vie, donc du coup, ouais, sur tout le chemin, on peut savoir à peu près où tout le monde sera. Donc il y a les deux fantômes, 3 fantômes. 4. Il y a 4 fantômes qui se déplacent vers moi, je pense. Ok. Et peut-être 5, et donc 2, 3. Voilà, 2 gens qui sont à pied, donc ça doit être des gobelins. Ouh là là, un gobelin qui tape de loin, ça veut dire un gobelin de 12. Voilà. Mais ça, c'est nul, ça. Tu veux que je fasse quoi? Il y a forcément quelqu'un là, voilà. Donc on l'a vu, il est ici, là, quelque part, là. Donc il va faire tout le chemin. Mais on n'a pas de vie. Ça sert à rien. C'était nul. Les challenges, en fait, c'est l'enfer. Pourquoi on fait ça? Ah oui, c'était pour avoir de la thune, j'avais oublié. Donc là, il devrait être devant, quelque part. Voilà. Il devrait y avoir quelqu'un ici. On y arrive, je sais plus combien ils sont. Mais j'ai qu'un point de vie, donc je meurs, normalement. Alors je vous explique, hein, parce que ça a l'air un peu vénère. Mais là où on est, c'est pire. On va essayer un autre deck, hein, je pense. On va réessayer le plante une fois. Et après, on voit si... Parce que là, en fait, il faut, voilà, il faut aider Bernard, qui est au milieu de tous les gobelins de glace, qui vont le bomboclate pendant que nous, on est en galère pour arriver vers lui. Voilà, je vous passe l'histoire. Faut qu'on fasse les decks des autres, parce que c'est pas possible en fait. Je pense qu'avec avec le deck monstre, on peut le faire. Parce qu'il y aura. Notre commandant, il ira direct en ligne droite, donc ça devrait aller. On a eu que de la vie claquée là, putain, quel enfer. Donc, vous avez compris, si le commandant meurt sur le terrain, donc là c'est Vera. Si Vera meurt, il n'y a plus de jeu. Hein. On peut plus jouer, parce qu'on est mort. Il faut que je défende Bernard pendant 12 tours. Je peux pas. Ah oui, je peux pas augmenter autre que. Je peux pas avancer plus vite.
Donc elle, c'est la pierre. Il faut absolument qu'on soit devant elle. Parce que sinon, elle tape Bernard tout le temps. Voilà, et nous, on va se cacher. Quel enfer. Ah, il tape en diagonale? Ah non, c'est... bien sûr. Ça, c'était sûr, ça, de toute façon. Ils sont trop. Ils sont trop. Ils sont vraiment trop. Attends, il y a une attaque de ligne, là, on pourrait faire ça. Bon, là, je pense que clairement, on va jamais avoir aucun objectif. On a toujours essayé, mais là, je pense qu'il faut abandonner. Il faut essayer juste de s'en sortir. C'est infernal. Oh là 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 là. Ça y est. Elle est en vue pour pouvoir le taper. Oh là là. Et elle met que des coups à 3 en plus. Oh, il me faut une attaque de ligne encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour le cactus. Eh bien non. En plus, il sait pas se déplacer, mais quel enfer! Et c'est deux qu'elle donne. Oh là là. Bon, le payback a bien servi. Faut qu'on puisse aller tout droit maintenant. Voilà. Unit. Tout droit.
Ensuite, on restaure de la vie. Je sais pas pourquoi on a les outils de... Voilà, super. Toi. Pas très intéressant ce que tu fais. Bon, ça se passe, ça se passe. On va y arriver, mais faut qu'on puisse... voilà. Faut qu'il puisse survivre assez longtemps. Payback, bam, t'es mort, salut. Payback, bam, t'es mort, salut. Ok, ça peut se passer. Ça peut se passer. Ok. Purée, ils reviennent en boucle ici, là, les 6. Oh là là. Alors, toi, tu peux me taper l'autre. Voilà, faut juste que je te déplace un peu. Ça sera pour tout à l'heure. Donc, pour pouvoir me débarrasser de lui, il faut juste que j'avance de 1. Ok, donc là, on a protégé pas mal de choses. Et on peut redéplacer quelqu'un. Alors, toi, tu peux aller où? Ah, si je recule, normalement, je suis safe. Faudrait que je recule de 3. Oui, peut-être que c'est plus compliqué que je ne pense. Parce que je peux l'avoir s'il reste là. Parce qu'il fait quoi comme coup? Il fait 3. Ah bah non, au prochain tour je meurs. On se met là. Ah, il a knockback. Oh, il m'a sorti de ma protection. Ça, c'est pas cool. Mais là, je pourrais l'avoir. Ça fera 4 points de vie en moins. Avec le bon boomer. Et ça, c'est cool. Il y a une attaque de ligne. Ok. Je pense qu'on va se débarrasser de ça. Hein. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ça. Faut que je déplace cette unité. J'attaque l'ennemi. J'attaque l'ennemi. J'attaque l'ennemi. Ok, ça c'est bon. Et le mieux, ce serait même carrément de se mettre là. On met de la vie pour tout le monde. On va pas tout le monde du coup, mais c'est pas grave. Faut qu'on rapproche notre cactus et normalement ça devrait le faire. Pédale, bim. Spirit qui arrive, ça serait très bien. Ça nous permettrait d'aller vite devant. Ok. Prochain tour, normalement c'est bon. Ah mais il y a encore un lancé. Ah, j'aurais dû bloquer là-haut. J'aurais dû bloquer là-haut. Je savais pas qu'elle pouvait spawn.
Oh non! Dedans. On va foncer dedans. On a trop de vie de toute façon, donc là normalement ça devrait être bon. Faut que lui, je le mette au milieu, en fait. Faut qu'on se déplace au milieu avec Vera. Ah, ils ont des volontés très claires, hein. Faut taper Bernard. Purée. Bon, on continue avec avec les plantes, en bon français. Et on va essayer de bloquer direct ici. Je vais taper là. Pour que ce soit plus accessible pour tout le monde. Et je vais bloquer direct là. Voilà. Ce sera pour plus tard. Si ça repasse plus tard en augmenté. Il faut absolument qu'on monte aussi. Si j'arrive à bloquer le 8 là-haut, là, ça serait très bien. J'avais oublié qu'ils étaient là. Oh là là. Faut que j'arrête d'oublier les choses. Le payback c'est 1, c'est nul. En vrai. Enfin, c'est nul quand c'est mal utilisé, comme je le fais. Je pense qu'on va devoir recommencer hein, parce que c'est mal parti au début. Ouais, on a plus personne. On recommence. Bon, ça s'est bien passé le premier tour, hein, c'est pour ça qu'on continue avec celui-ci. Bon, ça d'abord faut que je tape. Hop. Voilà, tu. Est-ce que je peux augmenter ça? C'est que ça coûte moins. Ok. On avance, hein. Je me suis mis là, mais je vais me faire taper deux fois. Ce qui va faire très mal. J'arrête avec ça. Ah! Ah bah je crois que Vera, tu es morte, hein. Ou avec un point de vie. J'en étais sûr.
I was sure about that. Oh, j'ai perdu mon truc. Mon replay. Bon, bah, on recommence, hein. On va prendre... Ah ouais, non, mais parce que j'ai pas augmenté. Attendez. On n'a pas augmenté le deck de monstre. On va faire le deck monstre. Je sens que le fait d'avoir constamment la ligne droite du capitaine, ça va le faire. Voilà. Exitons. On va mâcher tous les personnages dans le deck monstre. Ouais, mais écoutez. Alors, tous les monstres, hein. On est déjà à 30, là? Attendez. On enlève ça et ça, hein. Sécu, on s'en fiche. Pitfunia, on s'en fiche. On va essayer de faire un deck monstre avec le cactus. Beaucoup trop de vie. Beaucoup trop de vie. Any card. Tous les trucs qui augmentent les cartes de... Voilà, ça peut être pas mal parce que ça fait un déplacement. Augmenter une carte plante, ça, je pense que ça sert à rien. Ça peut être bien. Ça va servir à rien. 3 HP, c'est bien. On va prendre ça. Ça on garde, c'est gratuit. Ouvre l'unité de Nerester. Oui, ça c'est pas mal aussi. En fait, il nous faut des trucs qui gardent des vies. Voilà, 2 max HP. Ok, donc là il nous en manque 3. C'est gratuit. L'archer, ça aurait pu être pas mal. Hein. Ça aussi, c'est pas mal. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va claquer en plus? Un peu moins de déplacement, mais il nous en faut. Donc là, on va forcément faire que de l'attaque à un moment. Est-ce qu'on a besoin d'attaque en plus? Je ne sais pas. 2 HP. On a trop de vie encore, je crois. 2 HP. Et... Mais ça, c'est 2 de plus jusqu'à la fin, donc ça, c'est intéressant, quand même. Une énergie. On va dire que ça, on s'en fout, mais je pense que ça nous servira à un moment. La ligne d'attaque, ouais, ça, c'est bien, ça, en vrai. Mais... Ligne d'attaque ou un petit mec qui tape, je sais pas... Le Troublemaker, il est bien, en vrai. Après, Instigate, je sais jamais vraiment comment l'utiliser. Le volant, il va nous servir. Bird's Eye, ça va être efficace. Je pense qu'on va prendre une ligne d'attaque. Hein. Donc maintenant, notre commandant. Gain d'attaque, et après il y a le Sickle Bull Rush, donc qui nous permet de foncer dans les gens. Il y a ça qui nous ramène 4 d'armure, en plus, avec Jessica. Et il y a un Sickle Tactical Advance. Et le Sickle Tactical Advance, ça veut dire qu'il y a... On peut déplacer, on rajoute des unités, et ça... Plus 2, si l'armure... Ah oui, on rajoute de l'armure, ok. Ça, c'est intéressant. Et Sparko, bah non. On va essayer comme ça, et on va essayer d'augmenter, du coup, notre aussi côté. On va garder la vie, ça peut servir. La ligne d'attaque, ça peut servir. Il nous faut des déplacements et de la vie. Ça peut être bien. Oui, il y a de l'eau, je crois, mais je crois que c'est de la glace. Ça, on va mettre. Ça, c'est swap, ça peut être intéressant. Restore 3 HP, unit gain. Plus 2 de speed, plus 1 de speed. Payback. Ah oui, on n'a pas mis payback à l'autre, mais alors du coup, il nous faut payback aussi. On n'a pas grand monde hein, dans les cartes hooligan. Parce qu'on n'a pas fini le monde.
Donc du coup, en fait, ça revient plus ou moins à la même chose. Ça, c'est nul, hein. Ça, c'est archi nul. Attendez. Est-ce qu'on l'a, celle-ci? Descends. On n'a pas fait que... Il y a 30 cartes, là. Où sont les 30 cartes? Mais il bug de ouf. Alors, celui-là est nul. De ouf. Alors, du coup, on va mettre... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Gagner, on attaque et on gagne de l'armure. À 30-30-30. Maintenant, on attaque et on gagne de l'armure. Et maintenant, on fait les plantes, du coup. Donc tout ce qui est déplacement plus vie, ça on faut rajouter. Poison c'est vachement bien en vrai, mais... Et j'ai pas rajouté payback sur l'autre, hein, n'empêche. Hein. Déplacement et vie, déplacement et vie, déplacement et vie. Déplacement et vie, c'est ça. Je pense qu'on va prendre ça. Je suis un peu au pif, hein. Un peu en vrai, mais il nous faut un payback là, parce que je sais pas si on a, si on a payback, ok, c'est bon. Bon, bah ça devrait aller. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, pardon. On est d'accord que là c'est bon les decks. Ça a sauvegardé. Oui, ça a sauvegardé. On prend le deck monstre, histoire de voir comment ça fonctionne. Sachant qu'on n'a pas tous les monstres non plus. Ah, fallait faire hold to skip, je hold. Voilà, je skippais. Monster. Donc là, normalement, on a un bourrin dès le début. Ce qui peut aider. Il est pas du tout bourrin. Hein. Il est pas du tout bourrin. Oh là là, il avance pas en plus. Oh, quel enfer. C'est un sac à PV, c'est uniquement ça. Je vais bloquer là-haut. Comme ça, c'est fait au moins pour elle. Il nous faut quelqu'un aussi en bas. Quelqu'un qui se déplace vite, ce serait bien le fantôme. Bien sûr, bien sûr. Alors, get angry. Donc l'unité prend 2 de dommages, mais gagne 1 d'attaque. Voilà, si tu veux. On a bloqué en haut, maintenant il faut réussir à sortir des gens. Payback là, ça serait pas mal aussi à placer en haut, comme ça au moins on sait qu'il n'y aura pas de problème. Et ben voilà,
Move unit then payback. Ok. Donc là, le truc. On va sortir un peu de troublemaker. Un petit troublemaker. Bim. On augmente. On tape. Et motivate, c'est quoi? C'est target friendly unit gain. Et ah oui, du coup, ça permet d'augmenter. Ok, super. Bah, ah non, la payback, on peut plus l'utiliser. Lol. Là, je vais prendre de... Je vais perdre de la vie, là. Donc, ça sert à rien. J'ai perdu de la... des points pour rien. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu taper en haut. J'ai oublié. Taper comme ça wow, ça allait vite hein. J'apprends le jeu. Teen Spirit qui arrive. Ok, alors déjà on va faire ça parce que j'en ai marre de. J'aurais dû me défendre plus tôt, j'ai perdu trop de vie là-haut. Oh là là. Il y a une spirale qui meurt dès le premier coup, quel enfer. En fait, c'est vraiment celle-ci qu'il faut que je casse, hein. C'est celle-ci et celle-ci. Les... Parce que en vrai, il faut que je protège dès le début. Ouais, ça paraît logique. On va foncer, hein. Ah, mais si je fonce dedans, ça change rien. Je vais mourir. Là, on passe pas le niveau. Hop, on recommence. Et on arrête de jouer nul. Bon. Les meilleures cartes, s'il vous plaît. Gagne de l'attaque après avoir perdu des points. J'avais pas vu ça. Bon, on se met là. Hein. Qui tape plus fort? 2. 1. Tu tapes plus fort, tu as le droit à ça. Tu peux aller les alpaguer si t'as envie. En gagnant de la vie. Ouais. Non, c'était plus de la défense. On aurait dû avoir une armée de fantômes. Hein. Franchement, une armée de fantômes, ça aurait été bien. Par contre, là, le... Je sais pas combien de... C'est 4... Avec son marteau, il fait archi mal. Faut aller bloquer ici en bout de 5. Ouais, 4. Taper quelqu'un qui tape moins fort. Oh,
Lui, il a quoi? C'est attaque 3. 1, 2, 3. Donc ça veut dire ici, ici. Si je le mets là, ça fait 1, 2, 3. Il pourra protéger un peu. Oui, pourquoi pas. Mal joué. Prochain tour, Behemoth meurt, mais c'est pas grave. On aura fait quelque chose. Un peu de vie, ça serait bien. Ah, il faut que je bloque en bas. Il reste 3 tours. Ah, Behemoth, survie. T'as survie? T'as survécu, c'est bien. Birdseye, c'est quoi déjà? C'est attaque un ennemi. Il ajoute mock. Il tape pas mal, hein, quand même. On va rajouter de l'armure à notre Behemoth. Est-ce qu'on va se déplacer? Bon, je savais pas que c'était du déplacement, oh là là. Bon, il y a du people quand même au milieu, c'est bien. On occupe une bonne place, je pense. Ah bah oui, bien sûr. I love it. I love it. Alors, je sais pas ce qui déséquilibre le jeu Monster là, mais le fait qu'on perde des vies, ça n'aide pas. Le fait qu'on soit pas bien bourrin non plus n'aide pas. Donc j'hésite là. Est-ce que je passe par ici et j'attends qu'il y ait du monde pour pouvoir traverser? Peut-être pas.
Ah, j'aurais pu le taper avant. Ah. Dommage. D'accord, ça c'est pas des terrains hauts, hein. C'est des terrains glace. Hein. Ouh là là, c'est une hécatombe! En tout cas, il a pas perdu de points, Bernard. Donc là, je pense qu'il y avait un truc qu'on a réussi à bien gérer quand même. Le fait d'aller tout droit, déjà, ça, je pense que c'est pas mal. Ça, c'était pour. C'était un peu gratuit. Un autre cactus, hein, je pense. Il y a un truc que je fais mal, je pense. Ah, il tape que la personne qui l'a tapé. Ah, c'est pas en croix comme il fait d'habitude. Non, mais ils veulent pas que je vive, en fait. Oh. Ils jouent mieux que moi, je crois. Quel enfer. Ça, ça sert à pas grand chose. Je vais aller par là. Comme ça, on s'est bloqué. J'y arriverai pas à ce niveau, c'est l'enfer. Hein. D'attaque, c'est quand même vénère. Je peux même pas le taper. C'est bien ce que je me disais. Quel enfer. Là, si je le tape, je lui fais rien du tout. Ah si, il a 6 d'attaque quand même. Allez. Voilà. On s'est débarrassé d'un bourrin quand même. C'était long, mais on y est arrivé. Et c'est là le deuxième qu'il faudrait que je bloque, j'imagine. S'il ramène beaucoup de monde aussi. Hein. Bon, t'es mort en fait, Bernard. Je suis en train de regarder, mais t'as 5 points de vie. Hein. C'est mort. Hein. Ouais, c'est mort. C'est mort. Bon. On va retry, je vais aller juste aux toilettes, histoire de pouvoir continuer dans le bon état d'esprit, comme on dit. Et j'arrive, à tout de suite. Bah non. C'était ça que j'enlevais. À tout à l'heure.
Lune et Lintou. Alors attends, petit chouchoute. Bienvenue dans le stream de la galère. C'est compliqué. On va essayer d'y arriver, mais c'est compliqué. Bonjour. Dev projet PHP bot pour Twitch. Recodage complet d'un projet existant. C'était quoi comme bot que tu avais pensé? Quel enfer, je sais pas comment on va faire. Je vous avoue, là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas. On va essayer de faire de la défense uniquement pour voir ce que ça donne. Déjà, on va protéger notre linebacker. Voilà. Peut pas encore attaquer? Si. Voilà, on attaque. Voilà. Je pense que là, on est bien. Alors, Etienne Spirit, je me suis dit aux toilettes, c'est intelligent si je l'utilise en tant que bloqueur. Chose qu'on va faire parce qu'il tape, il tape à 3 presque, donc c'est pas mal. On va détruire une carte qui nous sert à rien actuellement, ceci. Si on peut avoir un petit cactus, ça peut être pas mal. Est-ce que tu peux avancer? Non. Nick, nick, nick. Voilà. Parce qu'en fait, le truc avec le petit fantôme, c'est qu'il peut revenir assez rapidement. Donc en fait, si je réussis à gérer toute la zone du fantôme, au niveau des tours, ça peut le faire. Donc on va essayer de faire ça. C'est-à-dire toute cette zone-là. Et on va essayer d'aider notre cher ami. Est-ce que tu veux payback, petit ami? Tu tapes à combien? 1. C'est pas incroyable. Hein. C'est pas incroyable. En fait, il faut constamment des petits diablotins, quoi. Qui tapent à 4, au moins c'est fait, quoi. Faire ces gens. En fait, tu fais vraiment en mode je m'en fous, quoi. Tape en croix. Aïe. C'est un sac à PV, mais ça sert strictement à rien de le sortir, en fait, ce magma. Encore une fois. Hein. Je pense qu'on va faire. On va faire l'inverse. On va utiliser le commandant pour bloquer un des trucs. Parce que. Un point de vie à chaque fois, c'est. Il me fatigue moi-même. On va étudier le terrain. Parce que je crois que c'est ça notre perte. Alors. Donc, toi, en deux toits. Toi en deux tours. Toi en un tour. Un tour. Donc logiquement, en fait, je devrais le plus le positionner par là, parce que c'est potentiellement ici qu'il faut que je traverse vite. Bon, de toute façon, il fera rien. Hein. On sait très bien. Hein. On va le mettre là. Ah! C'est bon, on a un trou. Même pas.
Non mais il prendra pas assez. Donc lui il va forcément aller tout droit de toute façon, donc on peut calculer comme ça. Si on se met là, ça fait 1, 2, 3, et ici je pourrais taper, ici je pourrais taper. Pas très intéressant. Par contre, si je me mets là, bien entendu, je pourrais le taper, mais il va forcément foncer dessus. Ici peut-être, 1, 2, 3. Là je pourrais le taper. Ou je me mette là en fait. Je vais le taper tout de suite après. On va faire une autre technique, c'est sortir tout le monde. Il nous faut un 4 qui va pouvoir le défoncer lui là. Lui il a 3. Donc ouais mais toi t'as quoi de... T'as pas masse de défense en vrai. Eh bien écoute, tu vas te mettre là. Tu vas foncer droit. Bon là on est un peu trop près pour pouvoir faire ça. Non, mais c'était nul ça. J'avais pas capté qu'il y avait l'autre là. J'y arrive pas. J'y arrive plus. J'y arrive plus du tout. Foncer dessus. Hein. Trois d'attaque, il a 7 de vie, ça fera 2 tours potentiels. Il a payback. On va faire ça. Il va falloir qu'on se regroupe là sur les points qui est chiant. Oh là là. Tellement de trucs à gérer. En fait c'est un... Faut faire une diagonale, enfin faut faire une pyramide ou un triangle plutôt de gestion compliqué quoi. Parce qu'il y a les spawns là, ils sont en pyramide, donc on va faire ça. On va faire une attaque de ligne, comme ça on peut attaquer tout le monde. Bye.
que je le fasse, faut que je le déplace lui en fait. C'est dur. Payback ou pas? C'est qui a payback déjà? Ça peut être pas mal sur là maintenant. Il a 2 d'attaque. 3 d'attaque, c'est mieux. Hein. En plus, s'il vole. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il faut absolument qu'on traverse. Et Behemoth, il va nous bloquer un des deux, si c'est possible. C'est possible. C'est pas possible. C'est juste pour pouvoir l'empêcher de faire quoi que ce soit, mais ça changera pas grand chose. Donc là, il y a quelqu'un qui va spawn, et la personne qu'on vient de tuer va respawn, donc on va foncer dessus avec le petit oiseau, si on survit. On survit pas. Oh non. Ah, j'ai fait une bêtise. Quel enfer, j'ai claqué un point d'énergie pour rien. Donc là, les tours sont occupés, c'est bon. On aura juste la fille qui lance de loin, là. Oh, le cactus aussi. Oh là là. Aïe 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 aïe, on peut plus s'en sortir là. Chucky est dead. Ah, Chucky là il est dans le caca. Hein. Survie Chucky! Il peut rien faire. Attends. Faudrait que je descende juste de 1, je pourrais peut-être passer, mais en fait c'est ici qu'il faudrait que je mette, je crois. Passer vraiment. Sauver le soldat Chucky! Encore un peu, et on est safe. Et j'ai plus rien. J'adore! Ah mais t'es mort en fait, commandant. Oh, le Behemoth aussi. Bon. Non, pas retry avec le même. Oh non, s'il vous plaît. Voilà, on essaye le hooligan, on va voir. Et après, on changera les commandants. Each time, à chaque fois que Sparko attaque, il échange son speed contre sa vitesse contre son attaque. Ok. Ok. On est d'accord, il tape de combien, hein? 4.
Si je fais ça, genre. Et que je m'enfuis là. Il y a un truc qui se passe. Non mais là, Sparko, t'es... C'est efficace là, ce que tu nous fais. Donc là, faut qu'on s'en sorte. Donc on va taper. Payback, donc en fait il frappera forcément me... On peut passer par là, ça c'est cool. On va se mettre là. Un peu de personne avec nous si c'est possible. Là il y a une contre-attaque, voilà, efficace. Des gens avec nous. Oh, je prends ça tout de suite. Total chaos, c'est parti. Donc là je peux taper et ça te fait 3. J'ai un peu de... J'ai une augmentation et shock swap. After each attack swap fall to... Donc là j'en suis à 3. Ok. Ça veut dire que je peux taper 2 fois. Et me déplacer. Ce serait bien d'avoir Birdseye dans pas longtemps. Donc on va faire ça. Ah oui. Alors attendez, parce que là je me place où? Pas dans ce coin là, pas dans ce coin là. Je descends. Et que je descende encore. Parce que là si je fais ça en fait je pourrais me mettre là et rebouger encore, mais ça me prendra des dommages. Non, bah on va faire ça. On va sortir tranquillement Birdseye. Voilà. Il nous faut des vies. Hein, pour Sparko, là. On voit qui il vise. Hein. Encore une fois. Là, ils sont tous... prochain tour, je me fais de bombes d'éclate. Hein. Ah non, ça va, je peux juste me dépasser vite fait. Teen Spirit, il te faut ici, si possible. Assez efficace, hein, ce parcours.
falloir commencer à se placer, les gars. Le Teen Spirit, je pense qu'il peut y aller. Ah non, il peut y aller, pas y aller d'un coup. Ouh, c'est quoi ça? 1000 cuts. Add two cuts. Ajoutez deux coupes à votre main. Flip to sweet move. Ok, ça me rajoutera en plus de la marche. Ok. Je vais peut-être faire ça. Hein. Peut-être attaquer d'abord. Ah ouais, ok. Eh bien, on va faire un mouvement déjà. Ça, je vois. Oh, c'est vénère. Oh, c'est vénère d'avoir tout ça. Ah ouais. Du coup, là, forcément, je le traverse, tu vois. Bien le bonjour, Ring Bell. Combien j'ai perdu? 3. Donc lui, il faut que je batte tout de suite. Et du coup, toi... Ouais, faut que je batte aussi tout de suite. Donc là, c'est faisable. Non, mais c'est... Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non, mais... Non, mais là, on est... Là, on est blindé. C'est gratuit, regardez-moi tous ces zéros. Ouais, je suis bloqué, j'ai pas avancé depuis la dernière fois. En fait, j'ai fait les challenges et c'était l'enfer. On va lui faire un cut-cut dans sa tête, là. Voilà. Il nous faut de la vie à un moment, mais c'est pas grave. Hein. Oui, on va faire ça. On va tout claquer. C'est incroyable. Je peux pas te toucher, donc ça sert à rien. Et nous on s'est enfui, donc ça devrait aller. GP back, donc normalement il meurt. Tout va bien. J'ai même pas essayé la semaine dernière en vrai. Enfin si, j'ai essayé, j'ai réessayé au début avec le deck plante, avec le deck monstre, et là on est en train d'essayer le deck hooligan, et ça a l'air d'être pas mal avec Sparko qui fait un peu le travail quoi. Bon ça, c'était sûr. Il faut juste qu'on ait un monstre dans deux tours. Notre Teen Spirit, faut qu'il avance, mais pour l'instant on peut pas faire grand chose. Hein. On a de la vie, et ça c'est bien. Et on a Behemoth, et ça c'est encore mieux. Donc on va faire ça. J'espère que ça va bien avec une belle. Tiens, je te fais un shoot-out. Pour la fin de histoire. Si vous voulez voir. Faut qu'on réussisse à sauver Teen Spirit ou qu'il aille bloquer là. Parce que là, c'est le moment d'aller bloquer. Allez, on avance. Que je peux faire ça directement. Bon. On va faire ça simplement. Tu hésites à lancer un stream, bah tu fais comme tu peux, hein, j'ai envie de te dire. On tape. On tape en passant, histoire de. C'est incroyable cette attaque, elle est géniale. Là, on est d'accord que les seuls nuls qui vont venir me voir, ouais, c'est eux. Ok, pas de problème.
Ah non! Pourquoi les trois? Non! C'était bien parti! En fait, il nous faut aussi beaucoup plus de monstres dès le début parce que c'est... On a augmenté Sparko, mais par défaut. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec notre truc, on peut traverser les murs, je crois. D'une certaine manière. On va vérifier ça tout de suite. Oui. Du coup, tu vas stream quoi, Raving Bell? Je suis même pas sûr de réussir à faire ce niveau, c'est quel enfer. J'en peux plus. Allez, on va mettre un total KO. Je ne sais pas. Each time an enemy take damage, this turn draw one card. Est-ce que les ennemis vont prendre des coups aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, pas beaucoup. J'ai un gros backlog de jeux solo. Ok. Qu'est-ce qui a déclenché la police tue? Back, ouais. Encore. C'est beau. Hein. Donc toi, tu fais 3 d'attaque et toi, tu fais 4 d'attaque. Donc l'idée pour lui faire perdre ses 12 là. 14, ce serait de le bourriner ou de s'enfuir. On peut s'enfuir aussi, ça peut être pas mal, tu vois, parce qu'on l'a tiré par là. Mais en vrai, est-ce qu'on veut pas aller taper la personne en haut? Bon, on va essayer de faire ça déjà. Parce que c'est quand même. Ouais, 4 d'attaque. En 2 coups, on peut l'avoir. Donc là, est-ce que j'ai une attaque en plus? Potentiellement, si on compte sur la chance. On va dire qu'on compte sur la chance. Et voilà. Non. Ah. Ah non, trop tard. J'aurais dû faire ça là, en inverse. Purée! Lui, il faut le démonter. Spirit Care, ok. Il va prendre cher avec lui, hein. Je pense qu'il va descendre, mais on verra. Là, ça devrait aller. C'est soit il vise notre archer et il prend cher, soit il vise lui et il prend cher. Dans les deux cas, c'est la mort.
Ah, intéressant. Donc il vise Sparko là, parce qu'ils savent qu'il est... que Sparko il est bientôt là. Donc c'est intéressant. On va s'enfuir. Je crois que j'y arriverai pas. J'y arrive pas au monde, en fait j'arrive pas à bien penser le truc. Là, ça me ferait 1, 2... Pas beaucoup. Pas moyen de le défoncer, je pense. Mais on peut essayer de taper les petits, déjà. Notre cher dame. Je joue mal, j'ai l'impression de jouer super mal. Enfin, c'est là où je commence à comprendre que j'ai vraiment du mal avec ce genre de jeu. Et c'est toujours les missions d'accompagnement ou de défense où j'ai du mal. C'est compliqué. Je fais pas attention assez aux gens autour, surtout eux là qui ont que un point de vie. Et j'oublie qu'il y a payback. Il y a plein de trucs en fait où j'ai l'impression de louper, louper des choses. Je me focalise sur les gros. Chose que je devrais hein, me focaliser sur les gros, mais par exemple là. Est-ce que j'aurais pas intérêt plutôt à ouvrir ce chemin? Donc je sais pas. Mais c'est ça en fait. Et le problème c'est que j'ai pas de thunes pour pouvoir acheter de nouvelles cartes. Donc là, soit j'avance et le challenge... si je te montre le challenge, en fait, à chaque fois qu'on commence, le commandant il est empoisonné. Donc du coup, le problème est toujours existant. Quoi. C'est un peu fatigant. C'est-à-dire que là... Là, le seul truc qui me sauve, c'est ça, justement. C'est de faire ça. Est-ce que j'utilise ça? Je peux le finir maintenant, ouais. Voilà.
Ça, c'était sûr de toute façon. Tu pensais que j'allais faire quoi? Là, faut qu'on s'enfuit des trois là. C'est l'enfer. Faudrait qu'on se mette ici pour pouvoir s'en occuper. Donc, lui, il a 3 d'attaque. Donc, tu vas te faire défoncer. Parce que tu n'as que 7 points de vie. Tu auras 2 tours. Donc, là, il faudrait qu'on se mette à 2 ici. On va essayer de faire ça. Il a payback. Il a payback, normalement, ça devrait le faire. C'est... Sauf si lui, là, il monte, là. Monte pas, monte pas. Ah bah bien sûr. Et il monte. Oh là là. On va essayer avec en changeant le commandant après de... Sparko est bien pour le début. Je pense qu'il faut que je commence ici en fait. C'est possible que ce soit ça juste. Donc là, par exemple. Lui, là, il peut se déplacer de 2. Toi, tu peux attaquer à 2. Donc on peut réussir à faire juste avec notre ami à s'occuper de ça. Donc on va monter. Toi, tu vas te mettre, du coup, à 2, ici. Voilà. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il pourra pas me toucher, donc je m'en fous. Toi, tu pourras taper à combien? 3. Et là, on est safe. Donc l'idée, ce serait peut-être de se mettre là. Du coup, de le taper. Ouais, non, là, je pourrais pas le revenir. Donc on va sortir un bird's eye, quelque part. Avec toi, on va le mettre là. Parce que eux, ils ont besoin de 2 tours de toute façon pour arriver. Eux, c'est 1 tour. Donc en fait, on essaye de bloquer ceux qui arrivent en 1 tour. C'est un peu l'idée. Ne nous empressons pas. Donc, je recule, ça fonctionne. Est-ce que je peux faire un total KO? Oh, total KO. Ou le, ouais, le add to cut, ça peut être pas mal aussi. Donc là, je peux add to cut, ça pourrait me permettre d'attaquer plusieurs fois ici. Donc déjà, je peux faire ça. Juste pour le petit délire. Ok, total KO. Donc, voilà. Si je prends des dommages, si quelqu'un prend des dommages, là, il y aura masse de dommages, normalement. Donc, je me mets ici. Je dois me déplacer de toute façon. Donc là, il faut que je me déplace. De 1, c'est suffisant. J'ai suffisamment, donc du coup, je peux avancer d'abord pour taper. On va finir lui. Hein. Une attaque de ligne à 1, ça coûte cher. Parce que là, ça veut dire que je reviens pas. On va descendre. Normalement, lui, il approche. Mais il a payback. Ok, c'est bon pour l'instant. On arrive à protéger notre archer tranquillement. Mais faut qu'on puisse se déplacer là-haut, hein, parce que bon, ça va pas. Hein. J'ai pas de... On va faire ça. Alors attends. Gratuit déjà, merci.
Ah, il va mourir. Je suis bête. Je suis bête. Le Birdzheimer. Oh, la chance. Oh, la chance. Du coup, le Birdseye, il faut qu'il aille absolument sur la plaque. Comme ça, au moins, on a bloqué ça. On n'aura pas le temps de le faire maintenant, mais c'est pas grave. Du coup, il nous faut un troublemaker de l'autre côté. Ou un behemoth quelque part là. On a encore le temps, ouais. Il faut qu'on puisse l'empêcher lui. Le Birdseye, on va le laisser là. Je crois qu'il nous faut quelqu'un qui tape. Hein. Bon, c'est ça. Hein. De toute façon, j'ai claqué pour le mouvement, c'est mieux. Sparrow est safe. Si j'arrive à placer mon archer ici, ça peut être pas mal aussi. Ah! Oh, il y a Teen Spirit, trop bien. Bah écoute. Ça, ça peut être intéressant pour Sparrow quand même. En vrai. Ou notre archer. Qui nous fait des trucs un peu incroyables, en vrai, l'archer. Donc, du coup, si je réussis à le placer, je peux le placer là-haut ou pas? Ouais, je pourrais le placer si je bouge. Notre cher Sparrow. Ouais, je pourrais augmenter son truc. Ça permettrait d'approcher un peu plus. Qu'est-ce que je vais faire? Comment se débrouiller? Là, je veux juste le laisser passer, donc en fait, ce serait bien de faire juste ça. Ah oui, d'accord. Peut-être ça, alors, du coup. Non. Donc là, on est obligatoirement, on passe en... Elle pourra pas m'attaquer. Parce que je me mets là. Faudrait que je me débarrasse de celui-ci, mais il va me foncer dessus de toute façon. Donc, ça pourrait être pas mal d'avoir un 10 de.
Ah, j'hésite. J'hésite beaucoup. Est-ce que là, il pourrait aller au cac? Sauf que le problème, c'est que si je le mets au cac, là, ça va être compliqué. Alors que... toi, t'as... ouais, tu tapes pas masse, en vrai. On va faire ça. Je pense que ça, c'est la meilleure option. Sans se prendre beaucoup. Donc, hop. Donc là, normalement, il y en a un qui va se pointer ici. Et l'autre qui va se pointer là. Et là, on prend 4. Chose qu'on peut légitimement éviter. En reculant. Bon, en se mettant là, carrément. C'est abusé. Par contre, si on pouvait se déplacer un petit peu plus... ouais, déjà, sauvegardons-nous. On va se mettre là. Et voilà. Bon, l'armure, on aurait dû l'utiliser, mais... pour l'instant, ça va. Oh là là. J'avais pas vu qu'il était à 5, Bernard. Mais quel enfer! On a réussi à faire sortir, n'empêche, la lanceuse de trucs, là. Donc ça, c'est pas mal. Oh oui, on pourrait essayer de faire un petit combo gagnant, là. On n'a pas assez pour la pourrir, mais... et on sera là, quoi. T'as vu comment il a perdu masse de vie? Mais on va devoir forcer de ce côté-là, du coup. Je pense. Si j'utilise celle-ci, ça va me faire manuel après. Donc normalement, je fais ici. Hop. Hop. Ça, c'est pas mal. Donc, on va essayer d'éviter de se faire taper par elle aussi. Ce serait bien. Donc, faut qu'on se déplace. De ce côté-là. On peut réitérer. Alors du coup, qui tape plus fort? Voilà, donc c'est Sparrow qui tape plus fort, donc tu vas taper. Ça m'intéresse pas. C'est Sparrow qui attaque. Et on va essayer de s'échapper de ceux-là. Bon, en espérant qu'ils attaquent pas non plus notre Bernard, ça ce serait bien qu'ils survivent là. Oh, il fait 4, je crois. Oh, il fait 3. Ok. Oh non, 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 il y en a un autre qui va arriver. S'il vous plaît, bougez pas. Ok. On restaure de la vie à tout le monde. Tu nous... mince, j'ai clic nul, 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 nul. Lui là, surtout lui là. On s'enfuit. Oh là là, on l'a pas bloqué, hein. C'est sûr qu'on l'a pas bloqué. Moi je voulais absolument le bloquer, mais... oh, c'était mal joué, j'ai mis ce clic, comme on dit. Mais 5, 5, il donne 5 coups, là. Ou c'est moi qui ai bu? Je suis fatigué. Ça me fatigue, ce niveau. Bon... il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est le jeu... j'ai pas essayé d'aller dans l'autre sens, on va essayer d'aller ici, mais en vrai, là, ils sont tellement plus rapides sur l'arrivée. Ça a pas de sens, en fait, on n'a pas beaucoup de mouvement. Je vais essayer de me débarrasser de lui, il tape vachement vénère en vrai. Je vais quand même me débarrasser de lui.
comme ça au moins c'est fait. On va sortir un petit troublemaker pour être là. Ça ouvre un peu la voie. J'avoue, ça me fatigue. Donc toi, tu tapes à combien, hein? 3. Donc en deux coups, t'es... je suis dans le caca. Eh bien, écoute, je me barre. Hein. LOL. Non mais c'est vénère, je trouve, ce qui se déroule sous nos yeux. Un petit Teen Spirit quand même, hein. On prend des gens qui peuvent se déplacer, quoi. Ici, il faut absolument qu'on bloque, hein, en vrai. Ici, c'est absolu, parce que le gars qui sort de ce truc-là, il est archi vénère. Et maintenant, il faut qu'on aille pourrave les gobelins. Eh bien, écoutez... qui veut avoir payback? Bah, ça va être toi qui vas avoir payback, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, tu te déplaces comme une mémé, en fait. C'est ça ton histoire aussi. Ah, c'est pas possible, hein, comme déplacement. Je suis désolé, hein, mais c'est pas acceptable, en fait. Parce que là, je fais quoi? Je le tape, je prends 3, il va me taper 3. C'est quoi ce jeu? Il est où l'avantage, là? Ah, ça m'a énervé. Ça, c'était le pire tour de tous les temps. Mais il va prendre cher. Au prochain tour, il prend cher. Par contre, il faut qu'on réussisse à restocker Bernard. Parce qu'il commence à se prendre cher, hein, aussi. Du coup, toi, tu peux aller assez vite en haut. Ça peut être intéressant. Ça serait pas mal de le faire. Donc on va déplacer toi d'abord. Toi tu tapes cette personne. Ouais, merci. Tu retapes cette personne si c'est possible. Okay. En fait, ce qui me choque un peu, c'est dans ce deck-là, c'est qu'on a aucun hooligan, quoi. On a que des monstres et des plantes. En fait, c'est là où tu vois que la gestion de l'achat, c'est pas du tout comme je l'ai fait, c'est-à-dire à l'arrache. Est-ce qu'on augmente notre troublemaker pour faire genre? Ça permettra d'augmenter sa vitesse et pourra se déplacer plus vite. Mais bon. Teen Spirit, c'est un hooligan.
Teen Spirit, c'est un hooligan. Je vois pas. Ah oui, Teen Spirit, c'est un hooligan? Ah oui, sans doute, oui. Mais il y a que Teen Spirit, je crois. Toi, ce serait bien en fait que t'aies plus d'attaque en vrai. 3 d'attaque, ça serait pas mal. Hein. 3 aussi pour la. Oui. Le corbeau aussi. C'est vrai que le corbeau, je l'ai pas mis. C'est peut-être le corbeau qui nous manque. Ah oui, le corbeau, oui, c'est Kivering, je sais pas quoi. Voilà, comme ça, c'est fait. On se barre. Ça serait bien qu'on se place. Quelque part. Prochain tour. Prochain tour. Ah, mais c'est de l'eau, du coup. Là, c'est même pas de la glace. Donc, du coup, on pourrait mettre le truc où on a de l'avantage sur l'eau. Ah ouais. Donc là j'ai attaqué, donc je peux me déplacer jusqu'en haut. Ça c'est intéressant aussi. J'ai pas attaqué, j'ai attaqué. Je peux même aller nettoyer là-haut. Attends, est-ce que j'ai toujours mon attaque? Ouais. Si je nettoie là-haut, ça peut être pas mal. Comment qu'on fait? J'ai 2. Il tape à 3. Elle pourra pas taper. Ils vont me taper à 2. Au moins, je peux aller me planquer peut-être quelque part dans... Ouais. Ou sinon, je fais la technique du... Pardon. Je fais la technique du... Je prépare la suite, quoi. Mais là, c'est lui, là. Il va nous défoncer, en fait. Le truc là, il a 14, c'est juste trop. Et elle a juste à se déplacer ici pour pouvoir nous taper là. Donc en fait, faut la débloquer elle. Bon, on va faire ça. Hein. Comment on peut éviter de se faire bomboclate par E2 en arrivant? C'est en foutant là. C'est. Ça m'intéresse pas trop. Ça c'est des tours, ça m'intéresse pas. Le corbeau il est trop faible je trouve. Et on a jamais eu pu vraiment l'augmenter. T'as toujours pas payback Spar. Ok. Hey, total KO. Je l'ai vu. Ah non, oui il est là. Mais Bernard, tu es mort. Oh. Elle va viser notre archer ou pas? Bernard n'est pas mort. Bernard a survécu.
Bernard va mourir au prochain tour. Faut que je les alpague tous les deux là pour pouvoir qu'ils évitent de taper Bernard. Comment je vais faire ça? Elle peut taper les deux, hein, normalement. Ouais. Donc. Déjà, je vais me mettre là. Hein, parce que de toute façon, y a pas masse de choses qu'on peut faire, hein, spécifiquement. Autre que d'éviter de se faire bombe bouclate. Allez, on croise les doigts pour Bernard. Bernard est mort. Et il est mort dans un tour, ça va être compliqué de le gérer là. En fait, quand elle s'est approchée, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'elle fasse ça. Et en fait, non, elle était bien en bombe éclate. Hein. C'était dur. Est-ce qu'on ferait pas des objectifs pour claquer, pour gagner des points? Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. On va faire des objectifs, je pense. On va pas y arriver encore une fois. Donc, exit level. Je suis désolé, hein, c'est vraiment l'épisode de la lose. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode spécifique lose. Bienvenue. Du coup, là, il y a un objectif. Alors, quel est l'objectif? Faut perdre aucune personne. Bon, on va essayer de faire ça. Oh là, c'est les choses que je supporte pas, c'est vraiment faire du 100%. C'est totalement gratuit. Bon, on va jouer avec les hooligans, quand même. Pour essayer de s'habituer. Ah ouais, non, mais ils sont pas sympas, eux. J'aime pas ce monde. Bon, ils sont quand même à 10-12, donc ça peut le faire. Pas 3. Un petit troublemaker qui tape à 4. Non, c'est pas un 100% inutile. Celui-là, je l'avais bien géré au final, ce monde-là. Il était bien. Normalement, ça devrait le faire. C'est juste qu'il faut attirer les gens. Ok. Du coup, là, il faudrait qu'on puisse attirer quelqu'un. Il tape à 1. Donc toi tu vas mourir dès le premier coup. Faudrait que j'utilise notre cher ami. Et j'ai que moyen d'attaquer. Donc ouais, ce serait mieux de faire ça. D'ailleurs, je vais essayer de sortir aussi Spark en même temps, tu vois. Parce que j'ai pas beaucoup de déplacement en fait là. C'est un peu chiant. Je suis même pas sûr qu'on va gagner beaucoup en thune. Il faut peut-être des cartes. C'est possible que ce soit une carte. Ce serait pratique.
on va l'utiliser en tant que winner de, no, de notre game. Notre cher troublemaker. Donc, bon. Il n'y a personne qui va... Il y en a un qui va se pointer. Hein. Donc, est-ce qu'on l'attend? On va dire qu'on l'attend. Hein. Donc... Ce serait bien de s'en occuper un par un, mais je pense qu'on va pas réussir à le faire vraiment bien. Donc, ça serait cool de faire une petite avancée. Genre là. Et du coup, toi, tu peux t'approcher aussi. Et toi, tu vas te monter. Bah non, bah là, c'est fini. Je voulais pas utiliser des dommages, donc non. C'est pas grave. Ah mais oui, c'est vrai, tu fonces jusqu'au rouge. Excuse-moi. J'oublie tout le temps les histoires de cases. Quand c'est rouge, c'est, et que je sais que je suis devant, et ça me fatigue. Ouais. Bon, faut que j'arrête de faire des bêtises. Bon, mets-toi là, comme ça au moins c'est fini. Et on continue notre attrait. Qui veut de la vie? Qui veut de la vie? Personne? Qui veut de la vie? Non. Ok. Ah mais c'est un spawn. C'est un spawn. Mais pourquoi c'était rouge là? Quand c'est rouge, si tu me tapes, tu peux pas avancer normalement, tu peux que taper hein. Il m'énerve. Salut. C'est vrai que tu peux pas taper. Oh, vous êtes pas marrants les gens. Je tape les feuilles. Ouais, non, mais je suis fatigué. Ça fait... En vrai, au bout d'un moment, on a perdu tellement de fois que là, j'y arrive plus. En plus, là, les 12, là, faut que j'arrive en étant hyper maxé. Fatigué à l'avance. Hein. Qui veut de la vie? Ah, je peux le faire, ça. Est-ce
que vous voulez qu'on ait des gens en plus à poser là-haut? On va peut-être se faire des déplacements quand même. Bon bah évitons le rouge du coup. Hein. C'est où le rouge pour lui? Si tu te mets là, ouais, mets-toi là. En fait, j'y crois, c'est 1, 2, 3, et là, il peut taper, normalement. Je comprends pas pourquoi le rouge, il nous tape. Enfin, il se déplace. J'ai du mal à saisir ça. On va faire comme si on avait compris. Vas-y, bouge. Celui d'en bas, il veut pas bouger. Y a pas quelqu'un qui tape à 5, là, s'il vous plaît. Sinon, on fait sans un BMOT. Et voilà quoi. Bah ouais, mais c'est ce qu'il a fait il y a 3 secondes, je comprends pas. Enfin, il y a 3 secondes, c'était un moment maintenant. Donc on va checker. Je me mets là. Attends, quand je fais attaque en ligne, ça fait combien? 3. Je vais faire que un petit passage. Bonjour, je ne fais que passer. Voilà, merci. Alors là, on est dans le rouge, oui. Normalement, tu peux pas y être, hein. Tu peux pas être ici. LOL. J'en peux plus. Il s'est déplacé dans le rouge, là. Allez, va mourir. J'en peux plus de toi. Oui, mais là, il y avait personne avant. On a vérifié justement avant. Bon, de toute façon, aujourd'hui, vous allez prendre cher. Donc là, le but, c'est que tu vas me donner de la... Non, mais avant, on avait vérifié. Il marchait de 3. Il marchait de... Oui, il marchait de 3. Non, mais quand on était en haut, on a vérifié. Il marche de 3 et après, il est max. Donc là, il était là. 1, 2, 3. Non, mais... On l'a vérifié, comment ça se fait? J'en peux plus. J'en peux plus de moi-même. Je sais plus ce qui se passe. Toi, tu meurs en un coup. Normalement, t'es à niveau 4, donc ça devrait être bon. Voilà, salut. Je ne veux pas te voir. Toi, le temps que t'arrives, tu vas mourir 6 fois. Donc, le but, c'est qu'on perde pas notre archer. Move unique. Voilà, hop, on avance, s'il vous plaît, merci. Donc là, normalement, il peut arriver jusqu'ici au maximum. Donc, on va retester. Parce que... on va retester. Donc là, je suis dans le rouge, ok? Là, je suis pas dans le rouge, ok? Si il peut avancer ici, normalement, il tape lui, on est d'accord? Là, il prendra pas cher, normalement, mais je vais quand même... c'est notre commandant, on va faire un peu genre. Donc, toi, t'es dans le rouge. On sort du rouge. Parce que là, on est d'accord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, il pourra que se placer ici. Donc si je me mets là, par exemple, il n'y a rien qui bouge, là. On est d'accord? Ok. Je veux juste voir si ça a un effet. Ouais, non, tu vas pas prendre de dommages, s'il te plaît. Merci. Donc là, on est tous en dehors. Donc là, c'est bon. On va le refaire à chaque fois, parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression de faire carotte. Hein. Donc, toi. On va se pointer ici. Normalement, tu me touches pas. Donc, qui veut se pointer là-haut? Toi, pointe-toi ici. Ok. Merci pour le soin, Nibbler. Merci. J'espère que tu vas bien.
je craque pas du tout, hein, bien entendu. Je vais faire genre je ne craque pas. Je vais me mettre en haut avec lui. Ça va peut-être débloquer quelque chose. Ah non, c'est juste qu'on est dans la base, donc on prend de la vie. Ok, super. Et les autres, là, ils vont se réveiller? Bien sûr. Merci pour les cœurs, Nibla. Il n'y a pas d'effet. Tout à l'heure, tu étais à 3 cases de mec qui peut, lui, peut se déplacer de 3 cases. Donc tu tenais sur la dernière case, la mob aurait pu aller. Je pense qu'il y a aussi des trucs où... où ils ont des cartes, en fait, entre guillemets, mais... Je comprends ce que tu veux dire. J'ai dû sans doute faire une bêtise. Mais là, par exemple, si je ramène mon archer, de toute façon, il faut que je le mette à 2, donc je vais le mettre là. Histoire 2. Et on va donner de la vie après. Il n'y a pas des trucs, genre il n'y a pas des cartes. Ils ont pas l'âme des cartes avec eux. Bon, maintenant que lui il est réveillé, il faut se protéger parce que lui il est vénère. Est-ce qu'on se prendrait un Steam Spirit pour pouvoir taper 2-2 et faire des allers-retours en blitz? Peut-être. Donc, là c'est bon. Là c'est bon. On va juste se mettre là pour lui. De façon à ce que j'ai une sortie. Voilà. Tu n'as pas l'habitude de ces jeux et que celui-ci fait un super boulot sur la façon dont il montre ce que les ennemis peuvent faire. Ah ouais, je sais pas. Je te montrerai bah tu regarderas la j'espère la série de l'été que j'ai prévue, qui est exactement ce genre de jeu. Il fait pas un super boulot. Non mais dans les deux cas, soit il fait un super boulot, soit il fait pas un super boulot. Il y a un truc que je comprends pas, mais ouais. Et en fait, il y a un truc que je comprends pas et c'est un truc nul. On va sortir un Teen Spirit juste pour le délire de sortir un Teen Spirit, comme ça au moins on peut se déplacer. On va faire comme ça, hein. On va se rapprocher au fur et à mesure. Alors, un jour on va utiliser Chucky, mais le problème c'est qu'il attire les gens, donc moi j'ai pas forcément envie. Là, ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse toujours. Ça m'intéresse tellement pas là. Là, il faudrait notre Chucky, par contre. Qu'il soit ici. Parce que là, on pourrait l'attirer, je pense. Il vise à combien, lui? 3. 1, 2. Ouais, à 3. Donc ça veut dire que si je suis là... 1, 2, 3... Ah non, je ne pourrais même pas le toucher, en fait. Bon, ça va être compliqué, parce que ça tape... ça fait mal. Donc on va essayer de faire des attaques nulles. Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'on a d'autres personnes qui arrivent. 3. 3. 4. Ouais, bon, on va utiliser notre 4-4, hein. Donc, on va essayer de faire ça. Essayer de taper lui. Donc, pour faire 4, il faut qu'on le tape 3 fois. J'ai 3 attaques. On check. J'en ai même 4. Une. Est-ce que la ligne... Non, je touche pas derrière. Ok. Bon bah on s'en fout. Moi, je veux juste savoir ce qu'on gagne, mais je crois qu'on va gagner un jeton, genre pour aller à la kermesse. Hein. C'est rien d'autre. Hein. On a l'impression qu'on va gagner quelque chose d'important, mais je crois pas. Hein. Ouh là là, ça va faire mal ça, si je fais ça. On va en faire ça. J'ai rien contre les kermesses. C'est juste qu'on va... On gagne un truc pour pouvoir... Un jeton pour pouvoir rejouer, quoi. C'est tout. J'ai rien contre ça.
J'ai décidé de me passer de ces gens-là. Merci, au revoir. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir. Hein. Parce qu'en fait, nous, on essaye d'avoir des cartes, et le problème, c'est que si on n'arrive pas à avoir les cartes, ben, ça n'avance, on n'avance pas, quoi. Bonjour. Voilà, nous sommes... voilà. Maintenant, on est posé. Les gens vont se pointer au fur et à mesure, je pense. Donc, l'idée, maintenant, c'est d'avoir des gens avec de la vie. Donc, on va avancer. Et c'est tout. Et on va claquer ça pour que tout le monde ait de la vie, voilà, voilà. Ça serait bien de pouvoir sortir lui uniquement, mais je pense que c'est dead. Parce qu'elle, elle lance hein, à distance. Elle est chiante. Comment j'avais fait pour la débusquer la dernière fois, je sais même plus. Je crois que j'avais utilisé le bamboomer. La dernière fois, j'avais utilisé beaucoup de bamboomer dans l'histoire. Ça va faire l'office de notre bamboomer, je pense. On va le placer là. Et ça fera 1, 2, 3, 1, 2. N'hésitez pas à sortir, hein. Nous on vous attend. Hein. En fait, si je le place là, ça peut être intéressant parce que le temps qu'il y ait le tour, il y a moyen que je la bombarde ici. Tu fais combien de dégâts déjà? 3. Donc je t'envoie pas, clairement pas, Teen Spirit. Je suis désolé, hein, mais je sais que toi, tu pourrais y aller. M'embêter, revenir. Mais là, on va dire non. Clairement, le behemoth, c'est mort. Ouais, il n'y a que eux deux qui peuvent jouer. Hein, et encore. Hein. Faut juste pas qu'ils se réveillent. Parce que s'ils commencent à se réveiller, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on s'approcherait pas au maximum pour voir ce que c'est ça avec des gens qui peuvent prendre les coups. En fait, faut l'exploser dès qu'elle arrive. Donc, faut que tu t'approches. Là, en fait, ici c'est bien. Hein, parce que s'il y a ce point là, c'est la misère pour elle. Donc, on va se mettre là. Il met 3 coups aussi. Ça veut dire qu'on pourrait l'avoir peut-être en une fois. Il faudrait qu'elle sorte. Si je me mets là, elle peut taper en diagonale. Je pense qu'elle peut taper en diagonale. Ici, là, elle peut me taper, je pense. 2. Je crois que non, peut-être pas. Hein. Je veux juste qu'elle se pointe là, mais le problème c'est comment je vais faire. 1, 2, faudrait qu'elle soit là. Bah vas-y. On prend le coup. Alors non, on prend pas le coup peut-être tout de suite. Parce que là il va me rester un point de vie. Pourquoi j'ai fait cette bêtise? Attends. En plus, faut que je bloque ça en plus. Qu'est-ce que je fais? Attendez, on va prendre notre archer. Viens ici.
Faut que tu remplaces notre ami tout à l'heure. En plus, je lui ai fait perdre... Je suis trop bête. Je lui ai fait perdre un de défense gratuitement. Quel enfer. T'as besoin de vie ou pas? Non. 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 Alors, à partir du moment où elle va s'approcher, ça va commencer à devenir un peu vénère aussi. Donc, ça, c'est bien. Et toi, faut que tu te déplaces, par contre. Donc... comment qu'on va faire? T'es censé faire un pas, de toute façon. Voilà, merci. Eh ben, on va voir. Ok, il faut qu'on se barre. Ça va être compliqué, là, maintenant. Ah, j'avais oublié qu'il a tiré les gens, lui. Eh bien, c'est quelque chose... C'est rendement mené. Ok, maintenant, à ton tour. T'as 4 d'attaque, ok. Donc nous, on a suffisamment pour pouvoir te bomber au clat, mais... à 2. Il faut juste qu'on puisse t'attirer, pareil. Donc on va s'approcher. Et on va essayer de t'approcher jusqu'ici. Ça serait bien de le mettre là. Alors, voyons voir ce jeton de kermesse, comme je disais. 20 balles, trop bien. Allez, on va acheter l'unité qui va bien sûr nous carry pour pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter qui va nous carry, bien entendu? Avec 20 balles. Plus de troublemaker. Plus de pompons QQ du troublemaker. Oh, y a que des effets. Ça, ça pourrait être intéressant, là, le coup de tête. En fait, j'ai tellement tout claqué, on a rien de plus. Hein. Je suis deg. Le seul truc qui pourrait être intéressant, c'est ça, gagner protection, parce que je sais pas exactement à quoi ça sert. Et protection, il dit, ça efface tous les dommages provenant d'une personne spécifique. Donc c'est peut-être ça qu'il faut acheter, hein. Mais on n'a pas 25, on a 20. Voilà. Est-ce qu'on a un dernier objectif pour faire genre... On fait les objectifs, là, vite teuf. Oh ouais, là, il y en a 15. Elles font quoi, c'est la 40 celle-ci, c'est... Prends 2 de dommages à soi-même, et tu gagnes de l'énergie. Celle-ci, c'est tu ajoutes une strike à ta main. Strike, ça attaque un ennemi gratuitement. Donc ça fait un peu la même chose que ce que j'avais dans le deck de Hooligan. Avec les cuts. Donc en fait, ça, c'est intéressant avec les cuts si tu enchaînes. Même si t'as des petits coups, tu peux en faire 3. Ça peut être pas mal. Mais là, je commence à être fatigué, je pense qu'on va juste s'arrêter. Don't lose any beacons. Ok. Don't lose any unit. Ok. Don't lose any unit and beacon. Ok. Bon, on va le checker vite fait, le increase unit attack. Je pense que ça, c'est pas très compliqué. Je veux juste voir le monde. S'il est facile à faire ou pas. Et ça fait un moment que je suis en stream, je crois. 3 heures, mais faut que je m'arrête, en fait. On va s'arrêter.
Je fais une heure et demie de choix. Ah, mais celui-là, il est bien, celui-là. Il est bien. Mais faut qu'on s'arrête, quoi. Faut qu'on s'arrête, bien entendu. Vous savez... C'est pas... En vrai, ouais, on va s'arrêter. Je suis très mal parti en plus dans ce monde. Donc, hop, exit level. Bon, la prochaine fois, on jouera mieux. Si ça vous va. Et pour la rage stream, du coup, ouais, il y aura sans doute une... Enfin, moi, j'ai une idée de truc, mais je sais pas si j'aurai la possibilité de le faire. Aussi. Mode Twitch. On va aller voir un art de l'espace. C'est Radio Canut. 7-7 de 2022 sur Cube Espace Paradox. Voilà. Si ça vous va. Ouais, 3 heures en fait, c'est fatigant pour moi après. Du coup, un art de l'espace. C'est souvent des topics radio, donc allez checker. Hein. Voilà. Je vais remettre bien la cam. Bon, see you soon, je vous envoie des cœurs, il reste 40 secondes, je ne disais rien parce qu'en fait j'étais en train de régler des problèmes. Salut et à la prochaine, on se capte bah, du coup dimanche normalement ça devrait être bon. Je vais sans doute essayer de faire des trucs en dehors du stream parce que en fait je me suis dit ça ce matin. Et en fait ce matin bah, j'avais pas le time parce que c'était le matin et que je dormais, voilà. Salut. Je ferai les objectifs en dehors du stream je pense. Salut.